Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube skillarmy.fr. Alors aujourd'hui, petite présentation hardware avec un périphérique voilà, pour les fans de simulation auto. Le TCSH de chez Thrustmaster, voilà, un périphérique qui vous simulera donc un frein à main et une boîte séquentielle. Il vous suffira juste de switcher avec un bouton et mécaniquement avec des clés Allen pour faire du frein à main ou de la boîte séquentielle. Voilà, une belle, un bel objet aussi, hein, parce que voilà, c'est 90% métal, usine en Allemagne, sous licence Sparco, hein, vous pouvez le voir sur le côté. On a aussi un pommeau Sparco avec le badge Sparco sur le dessus, à l'échelle 1-1. Donc tout ça vraiment très joli, très agréable au toucher. On a aussi une belle pièce. Ce qui est vraiment très agréable aussi sur cette pièce, c'est le potentiel de réglage. En fait, vous avez vraiment beaucoup de réglages sur le levier. Vous pouvez le pencher en avant, vous pouvez le monter, vous pouvez garder de la hauteur, baisser, voilà, vous avez pas mal de potentiel à ce niveau là donc ça c'est vraiment un plus, sachant selon comment vous le fixez sur votre setup, etc. Vous pouvez le pencher en avant, en arrière, le monter, le descendre, carrément le mettre à plat comme un vrai frein à main. Donc selon votre setup, vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez, donc ça c'est vraiment agréable. Et en plus, voilà, vous avez la possibilité d'avoir soit une boîte séquentielle, soit un frein à main. Donc vraiment un bon périphérique, voilà, en plus un périphérique qui se branche et qui marche directement en sortie de boîte, hein, donc ça c'est vraiment aussi agréable. A contrario, pour faire une comparaison, voilà du frein à main au Club Sport de chez Fnatec, qui là, en sortie de boîte, il a fallu le régler pour que le potentiomètre se désactive. Et puis comme vous pouvez voir, on a aussi un petit jeu dans le bras dû à la rotule qui tient le ressort, qui n'est pas forcément très agréable, même si bon, c'est pas forcément un frein. Hein, l'objet marche quand même très bien, une utilisation régulière, voilà, ça va faire plus de 6 mois que je l'ai, il marche très 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 bien. Ça reste un très bon objet, mais c'est vrai qu'en sortie de boîte, il a fallu le régler. Donc c'était pas super agréable. Maintenant, voilà, on a un TCSH qui sort de chez Thrustmaster avec le potentiel d'avoir deux périphériques, c'est séquentiel, frein à main, donc ça c'est vraiment cool, réglable au plus haut point dans tous les sens, donc ça aussi c'est vraiment bien, avec du bon matos, voilà, des 90% métal, usiné en Allemagne, le système Hertz magnétique pour pas avoir forcément de problèmes mécaniques sur le temps. C'est vrai que le magnétique, et même sur l'instant T, vous n'avez pas de fail forcément, là ça marche généralement tout le temps, donc alors que le mécanique des fois vous pouvez avoir un petit peu de fail, là bon, ça c'est cool aussi. Et puis dans le temps, la durabilité logiquement est accrue avec ce système, donc vraiment une très bonne pièce. Donc je vous balance un petit peu de gameplay où je le teste en frein à main et en boîte séquentielle, et voilà, comme ça vous pourrez vous faire un petit avis. Allez, c'est le gameplay, c'est parti. 2, 1. Go. Attention gauche, calouche, crève. Et gauche 5, 5 sur 4 sur crève de chalon sorti. 80 gauche sur 3, 2, ferme sur 1, sans bouger. Gauche 5 sur 3, 10. Sur gauche 4, 7 sur 3, 80. Crève sur gauche 5, là sur crève moins 1. Attention, gauche 5 sur virage à 90 degrés, gauche sans bouger. Gauche 10, crête droite, train à la jonction, gauche 10. Gauche 10. Sur gauche 4, crête et virage droit sur 3. Sur gauche 3. Droite 5 sur gauche 5. Sur droite 5. Sur gauche 5. Droite 6, attention gauche 5 sur crête 80 après jonction virage à 90 degrés droite. Gauche 3, semi-long après jonction. Sur droite 5, long sans couper. Et attention gauche 4, long sur crête sur épingle droite. Sur gauche 4, continue sur 100 sans couper. Gauche
à droite sur chaud après jonction freinage gauche. Je ne serai pas couvert de droit. Gauche, c'est sur crête 80. Gauche, calcaire sur bouée. Sur droite, semi-long sur droite. Attention droite, ça ne transférait pas pour gauche. 80. Ça vous aime, moi. C'est violent. Alors la glace, c'est un sprint, c'est un petit circuit. Il y a pas mal d'épingles à un moment donné, donc c'est plutôt intéressant pour tester ce frein à main. C'est pareil, il faudrait que je le mette en bas.
Non, franchement, un bon feeling. Très bon feeling, bon ressenti. Comme j'ai dit, c'est pas forcément la meilleure des positions. Il faudrait que je teste un peu plus bas avec une hauteur un peu plus importante. Mais le feeling est là et on sent vraiment on peut jouer avec quoi. Donc c'est intéressant, on peut s'y reprendre à deux fois, on peut vraiment y aller fort loin d'un coup, même mettre des petits atouts. Non, c'est vraiment bon quoi. C'est vraiment bon. Après le jeu s'y prête aussi bien, surtout Dirt Rally pour les freins à main. Mais même WRC et tout, enfin. Donc, ouais. Pas déçu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un petit peu de gameplay, présentation de ce TSSH de chez Trustmaster. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et à la prochaine, tout simplement. Allez, des bisous. Ciao, ciao.